Et bien le bonjour à vous et bienvenue sur ce live, donc la dixième. Voilà. Donc bienvenue sur la dixième. Eh oui, bah, parce que j'ai l'écho. Vu que je suis en direct sur mon billet Facebook, pourquoi tu rigoles, toi? Donc, bienvenue sur la dixième édition de votre émission préférée du samedi, votre émission santé, Raphaël, donc sur les rendez-vous du bien-être sur Raphaël, conseiller Liftclean, en direct sur Facebook, donc sur mon groupe du même nom, Raphaël, conseiller Liftclean. Ouais, bon, il y a un peu de circulation, il y a les gens qui mettent la musique dehors, c'est pas grave. Et aussi en direct sur Discord, donc sur mon serveur, serveur dont je vous ai partagé donc le lien en commentaire. Voilà. Et donc, ok, c'est tout bon. Donc voilà. Donc on est sur la deuxième édition, la dixième édition des rendez-vous du bien-être. C'est la deuxième session de témoignage. La première, c'était en fait bah, la toute première émission que j'avais faite, si mes souvenirs sont bons. Donc, on avait reçu. Qui est-ce qu'on avait reçu déjà pour témoigner? Je sais qu'il y avait eu Axel qui était venu témoigner. Elle, c'était pour le CBD. Et je crois que c'était Christine qui était venu témoigner, je crois, pour l'aloe vera et je sais plus pour les autres produits. Bref, bref, nous voilà donc en direct donc sur Facebook. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs témoignages. Donc on aura le témoignage d'Élodie qui va passer donc en premier. Elle sera là à côté de moi, mais pour l'instant elle n'est pas là, mais elle va pas tarder. Comment ça se passe? Ou alors, bah, Natalia, si tu veux, bah, tu sais, on sait quoi, on va commencer par Chabadou en fait. Alors, Chabadou, eh ben, on va commencer en fait par le témoignage de Chabadou. Je vais la faire monter si elle est encore bien là. Donc, le témoignage de Chabadou, ajouté à la diffusion. Salut Chabadou. Salut, salut tout Salut, le salut, monde. comment vas-tu? Bah très très bien, j'étais en train de me faire un petit café là. D'accord, ok, très bien, super. Donc, pour l'organisation, ça c'est bon. Donc voilà, donc juste pour rappel, donc les témoignages qu'on va faire, c'est bien entendu. Alors là, la première fois, il y avait Moder et Live Labs. Pour l'instant, Live Labs, j'ai arrêté, je reprends à la fin de l'année. Et là, en fait, on va simplement rester sur les produits de chez Moder. Et donc, toi, Chabadou, toi, ça fait vraiment pas longtemps que tu es devenue cliente. Quand vous étiez venue avec Nico, septembre l'année dernière, je vous avais fait cadeau du body butter et également du dentifrice aussi. Ça m'a fait plaisir parce qu'en plus, j'en avais en stock. J'ai oublié de préparer les produits, c'est pas grave. Elodie, tu peux m'amener un body butter, s'il te plaît? Je te remercie. Donc, on va simplement. Et puis le dentifrice aussi. Oui, qu'elle a dit. Merci. Ah Bon, bon, parce j'ai que pas. dentifrice, je l'aime beaucoup, moi. Eh bien, Dentifrice, justement, c'est ouais, génial. justement, on va en parler. Je vais juste à vous les présenter. Et puis, bah, comme ça, tu pourras en parler. Ah ouais, puis tiens, hop. Donc, le body butter. Donc. Le voici, donc ça, ouais, là il est presque vide. Hein. Là j'ai utilisé tout à l'heure, il est presque vide. Donc le body butter, c'est celui-là, il est franchement top. Ça c'est la crème que je t'avais offerte l'année dernière. Là on C'est a ça. le dentifrice, et ben celui-là il est presque vide aussi. Hein, mais ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc ça tu vas nous en parler dans un instant. Et puis donc ce qui va avec le dentifrice, mais ça j'en avais plus, c'est le bain de bouche. Voilà. Alors, eh bien, Chabadou, c'est à toi. Parle-nous donc des produits que tu as testés, donc le body butter, le dentifrice et puis le La crème contour self-proof des yeux. eye cream. Ouais. Allez. Alors, donc je vais commencer par la crème hydratante. Moi, ce que j'aime bien dans la crème hydratante, c'est l'odeur, surtout. Je trouve que c'est une odeur qui est très agréable, qui n'est pas forte.
Donc, pour les gens que ça peut déranger pour les odeurs, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez soft. Parce qu'il y a des produits, ils ont beaucoup plus d'odeurs fortes et ça peut vraiment déranger. Mais là, moi qui n'ai pas une grande fan des odeurs vanillées, bah, cette crème-là, je trouve que ça passe assez bien quand même. Voilà. Après, oui. Oui, alors justement, bah, tu vois, pour commencer à parler du body butter, donc c'est bien celui-là, voilà. Celui-ci, donc je l'ai fait essayer honnêtement à beaucoup de monde et notamment des femmes, et la première chose qu'elles me disent, c'est le parfum. C'est le parfum, il est franchement top. Donc on a de la noix de coco, c'est vrai, comme tu dis, c'est un peu vanillé, ça fait un peu exotique. Donc on a de la noix de coco dedans. On a du jojoba et on a du cacao. Donc en fait, il y a d'autres ingrédients, bien entendu, mais en fait, cette synergie d'ingrédients va donner un parfum tout à fait subtil à cette crème qui séduit nombre de femmes. Bah oui, parce que bon, après, moi, ce que je retrouve le plus, c'est l'odeur vanillée. Peut-être que j'ai un problème de nez, ça se trouve. Je ne sais pas. C'est plus l'odeur vanillée que je sens, mais bon. Mais après, c'est vrai que ça m'a surpris au début quand j'ai utilisé la crème. Ça faisait un peu comme, vous savez, les crèmes solaires avant comme on utilisait là, que ça fait. Enfin, on estompe longtemps avant de que ça disparaisse. C'est pas un Ouais. peu ça. Oui. Ça m'a surpris. Mais bon, après, c'est pas problématique, hein. Niveau hydratation, ça hydrate, oui. Par contre, pour ma peau, là, c'est personnel. Pour Ouais. ma peau, je n'ai pas trouvé plus d'hydratation. Enfin, il y a pas, je n'ai pas vu une grande différence sur l'hydratation de ma peau. Mais alors, ça se trouve, c'est peut-être ma peau à moi. Et que ça fait pas ça chez tout le monde, Oui, possible. c'est possible, parce que en fait, Voilà. la peau vraiment de chacun, et c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. En fait, la texture, la tonalité de la peau, vraiment, elles vont plus ou moins absorber. Après, il faut éventuellement en remettre un petit peu plus souvent, si toutefois la peau en a besoin. D'accord? Donc, mais elle n'a pas en fait que ce pouvoir hydratant. Ce n'est pas une crème hydratante, elle est hydratante, elle est nourrissante et elle est restructurante. Moi, je l'ai utilisée déjà. Sur moi, parce que je m'étais fait un petit accident de bûcheronnage. Et en fait, là, sur le doigt, là, je sais pas si vous le voyez, je m'étais fait, voilà, on la voit Ah là, oui, si. on voit. Et en fait, j'avais utilisé vraiment vers la fin, quand la plaie était quand même bien, bien refermée. Et franchement, elle a été top, vraiment pour restructurer au niveau cellulaire, juste à cet endroit-là. Donc après, effectivement, c'est vraiment propre à chacun. C'est comme pour les cheveux. Moi, j'ai des cheveux qui sont absolument atroces. Enfin, c'est du vrai foin. Bon, là, j'ai mis ce qu'il faut dedans pour l'émission, histoire d'avoir l'air de quelque chose, bien entendu. Mais alors, moi, je peux utiliser. Bon, j'utilise évidemment le shampoing et l'après-shampoing de chez Moder, mais l'après-shampoing qui est vraiment top. D'ailleurs, Elodie, si tu peux ramener l'après-shampoing aussi pour tout à l'heure, elle a essayé, elle m'a dit franchement, c'est vraiment nickel, nickel. Et tu vois, Élodie, c'est ta secrétaire. voilà. Donc voilà, donc les produits, ils sont vraiment top. Après, c'est vraiment propre à chacun. Mais vraiment, il y a Natalia qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. Elle est partie. Eh bien, on va l'attendre. On va l'attendre, on va voir. Ah, la revoilà. Hop. Désolée, j'ai fait une fausse manip, j'ai fait la Il mienne. y a eu un Pardon. problème de connexion. Voilà, donc voilà, c'est propre à chacun. Ça, on le verra tout à l'heure avec Elodie, ce qu'elle nous dira de l'après-shampoing qui est vraiment top. J'ai quand même vu, moi, un effet sur mes cheveux. Voilà. Mais c'est quand même vraiment super bien. Voilà, donc pour le body butter, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh ben, elle a ressauté. Il fallait juste réactiver le micro. Je vais attendre qu'elle remonte. Elle doit avoir des petits problèmes de réseau, des petits problèmes de connexion. Mais sinon, c'est pas grave. Si Elodie est disponible, eh bien, on va la faire venir. Non? Oui, ça. 2 minutes. Ok, 2 minutes. Alors, on va attendre que. Voilà, la revoilà. Alors,
Hop, que se passe-t-il? Impossible de réactiver le son de votre invité car il a choisi de le mettre en sourdine lui-même. Ah, Et voilà. là, c'est bon? C'est Ouais, bon, ça voilà. fonctionne. Ah, disons, ça c'est désolé du direct. Hein. Désolé. Ah bah on a Audrey qui est dans le chat qui nous dit bonjour et bah tiens, elle est en, ayant testé la crème raffermissante et l'après-shampoing, je suis très satisfaite, efficacité à 100%, très bonne qualité, je recommande. Eh bien écoute Audrey, bah tiens, je vais t'envoyer le lien du studio parce que de base, eh bien tu devais tiens, je le mets dans le chat. Là, comme ça, le lien du studio. Excusez-moi d'interrompre tout le monde. Alors, et puis je vais te l'envoyer également en privé, comme ça, si tu veux venir aussi témoigner en direct, eh ben, franchement, ça serait vraiment le top. Donc, Chabadou, tu disais. Donc oui, donc la crème, bah, pour globaliser la synthèse, alors point positif, c'est voilà, c'est l'odeur. J'aime bien la texture. Et la seule différence, c'est que bah, je crois que sur moi, ça fait peut-être moins d'effet que chez les autres. Je Ah, c'est pense que c'est possible. ça. C'est possible. Parce que bon, après, je n'ai pas une peau qui a tendance très sèche tout le temps. Ça peut Ouais. m'arriver. Ouais. Là, je n'ai pas eu une grosse différence. D'accord. Voilà. J'ai une peau plutôt mixte, hein, voilà, de base. D'accord. Donc, OK. puis en plus, là, je me remets à boire de l'eau depuis un bon moment. Ouais. Donc, peut-être que ça aide aussi. Oui. Bon, Et. à savoir aussi que là, tu es encore allaitante, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà. Donc, tu as eu la grossesse, tu allaites encore. Donc, ça peut éventuellement jouer aussi sur la texture de la peau. Ça, c'est à voir. Donc, là, concrètement, tant que tu es allaitante, je ne vais pas te conseiller, bien sûr, les boissons au collagène ou autres. Mais quand on a ces problèmes de peau, donc le body butter, franchement, il est vraiment top. Mais à voir aussi s'il n'y a pas une lotion, une crème au collagène à ajouter en externe et voir aussi le liquide biocell en interne. Voilà. Mais ça, on pourra voir ça plus tard. D'accord, ok. Et là, donc, tu voulais me parler, c'était pour le dentifrice, là, du coup. Oui, le Alors dentifrice. là, par contre, le dentifrice, je l'ai adoré. Ah, franchement, voilà, en fait, j'utilise que lui, là. Ouais. J'avais un autre dentifrice, mais c'était supermarché, grande surface, tout ça. Je trouve qu'ils sont assez agressifs, en fait, sur le menthol. Le menthol est assez agressif. Quand c'est les produits de grande surface, mais par contre, là, le dentifrice que tu m'as offert, c'est une pépite. Parce que bah, déjà, très agréable à utiliser. Le Ouais. menthol, il est très. Comment dire? Bah, il n'est pas fort, il est très Il agréable. est très subtil. Voilà. Et on a cet effet de frais dans la bouche quand même, même s'il est très subtil. On a cet effet de frais. Ouais. Bah, rien à dire de plus, quoi. Et franchement, il est top le dentifrice. Bah, c'est exactement ça. Tous ceux qui l'ont testé, et puis bah, y compris moi, et font le même constat. C'est-à-dire qu'effectivement, les dentifrices que l'on va trouver dans le commerce, ils vont être très très forts en fait en menthe, et ça va avoir tendance vraiment à arracher. Et d'autant plus pour les gens qui ont des micro-lésions, notamment bah, comme la mère de Elodie, qui est passé donc au rayon, je crois, les traitements contre le cancer. Donc ça a créé des micro-lésions au niveau de la bouche. Certains en ont aussi pour d'autres raisons. Et en fait, les dentifrices que l'on va trouver dans le commerce vont être extrêmement agressifs. Et là, en fait, avec le dentifrice de chez Moyer, je vais vous le remontrer une fois de plus. Alors c'est un gros gros tube, hein. Il est vraiment énorme. Et en plus, on va l'utiliser en très petite quantité. Un tube comme ça, honnêtement, ça peut vous durer facilement un an. Franchement, ça peut durer facilement un an parce qu'on va l'utiliser en très petite quantité. Et donc, au niveau de la sensation que ça fait, effectivement, on sent le menthol. Ça va pas du tout arracher.
ça va pas du tout être agressif et ça va laisser vraiment une super sensation de fraîcheur, très douce et très subtile. Et concernant par rapport à la maman d'Élodie, comme tu disais, elle a des petites lésions, c'est ça? Oui. Il faudrait peut-être qu'elle voie si sa brosse à dents, ses poils ne sont pas trop durs pour ses gencives. Il faudrait qu'elle prenne peut-être des poils souples. Elle me fait le nom de la tête comme ça. Ah bon? Ouais. Ah bon, bah alors. Voilà. Et Voilà. coucou! Non, ça n'a rien à voir avec la brosse à dents, c'est des lésions vraiment internes à la bouche, Ah oui, sous la langue. d'accord. Non, parce que je sais que ça, moi, ça m'a fait des petites lésions quand je me brossais les dents avec des poils trop durs. Et à chaque fois, je saignais. À chaque fois, je saignais. Et puis, bah, c'était pas agréable, quoi. Voilà, quoi. Tu saignes des gencives. Ouais. Alors ça peut arriver en fait tout simplement quand on n'a pas l'habitude de se brosser les gencives. En réalité, il ne faut pas faire que se brosser les dents, il faut aussi se brosser les gencives de manière en fait à les faire gonfler. Parce que souvent c'est comme ça que vont arriver les caries. En fait, pour vraiment bloquer, les faire gonfler, bloquer l'interstice que vous allez avoir en fait entre la gencive et la dent, de manière à ce que les impuretés ne rentrent pas et ensuite créent des caries. Et en fait, quand on a l'habitude de se brosser les gencives en même temps que les dents, et bien à la fin, elles sont habituées et ça ne saigne plus. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu avais fini sur le dentifrice? Bon, écoute, oui, je crois que oui. J'ai rien Ok. d'autre à ajouter pour le moment. J'ai Donc, que de la bonne critique sur le dentifrice. eh ben c'est super. Et là, donc, tu as aussi opté pour la crème contour des yeux. C'est ça. Alors, pour vous décrire le produit, c'est une crème qui fait partie en fait de la gamme Collagène Science. Donc, c'est une crème qui va contenir à la fois donc du collagène qui, je vous le rappelle, est la protéine la plus présente dans le corps humain à hauteur de 30%. Donc, on va retrouver le collagène et aussi l'acide hyaluronique. Donc, vous le voyez donc là en partage d'écran. Et Chabadou, écoute, dis-nous comment tu l'as trouvé. Moi, je ne l'ai jamais testé parce que j'en ai jamais eu besoin, mais dis-nous tout sur cette fabuleuse crème. Alors, par contre, là, mon avis va te surprendre. Ouais. Je l'utilise pas tout le temps, mais Ouais. je l'utilise de temps en temps. Bon, si tu vois mes journées avec un petit enfant, j'ai pas toujours le temps de me maquiller tout le temps ou de prendre soin de ma peau. Mais quand j'utilise, c'est souvent en dessous aussi du maquillage. Donc, ça ralentit un peu pour celles qui se maquillent. Ben, je trouve que c'est agréable. Après, moi, je me demande si j'ai pas les cernes colorées parce que je suis une grosse dormeuse. Ouais. En ce moment, je suis une grosse dormeuse. Et même en dormant beaucoup, je ne vois pas de différence avec mes cernes de d'habitude. J'ai toujours l'impression que je suis tout le temps fatiguée. D'accord. Pourtant, comme je t'ai dit, je bois beaucoup, justement pour essayer de reporter de l'hydratation. Ouais. Mais je ne non je crois qu'en fait c'est mes seins qui sont colorés et parce que ça c'est depuis que je suis toute petite, enfin toute petite, je suis à peu près ado, voilà, 10 ans à peu près. Ouais. J'ai toujours eu des cernes, mais je sais pas si ça va sur le long terme, si ça va corriger ou pas. Pourtant, pour l'instant, j'ai pas encore testé à foison le produit. Ouais. Mais j'utilise quand même de temps en temps. Voilà. D'accord. Alors ça va surtout ça va surtout avoir comme effet en fait, eh bien pour effet de retendre la peau, parce que tu sais, souvent, d'ailleurs, quand on manque de sommeil, on a tendance à avoir la peau qui se relâche en fait juste en dessous les yeux, et ça, en fait, c'est là, ça va retendre la peau juste en dessous les yeux, et ça va embellir le visage. Parce qu'il y a un moment, j'ai fait une fixation, c'était sur les ridules en dessous des yeux. Oui, Je c'est pensais ça. que ça allait. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, des ridules de déshydratation, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Ouais. J'ai fait une fixette là-dessus, je me suis dit, il faut que je prenne une crème parce que je vois que ça fait des craquements en fin de journée sous le maquillage, tout ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas. Ça fait pas. Joli. Ouais. Donc,
C'est pour ça, souvent, on voit, par rapport à ça, je vais faire juste la petite aparté, on voit souvent les jeunes femmes, les adolescentes, qui font l'erreur, c'est de maquiller, en fait, l'acné et autres problèmes cutanés du visage. Voilà, là, ça, on a un convoi de moto dehors. elles font l'erreur, en fait, de mettre énormément de fond. Excusez-moi. Merci les motos. Bon, je suis motard, donc je dis rien. Donc elles font l'erreur de mettre énormément de fond de teint pour cacher en fait Ah oui, c'est pas bien ça. les boutons d'acné, alors qu'en réalité c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et évidemment, on comprend qu'on a envie de plaire, on comprend que on a envie d'avoir l'air beau ou belle, hein, c'est selon. Mais c'est une erreur. Il faut comprendre que l'acné, c'est vraiment quelque chose de périodique. Ça va partir. Et en fait, pour que la peau soit le mieux traitée possible, il faut la laisser respirer. Et pour ça, bah, il y a des lotions désinfectantes. Il y a les Biactol, mais en fait, juste une infusion de clou de girofle, c'est déjà très, 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 très bien pour assainir la peau. Tiens, bah, on m'envoie un message. Merci, Audrey. Et je vais tout de suite voir ton message, Audrey. Et qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà. Donc, il faut vraiment surtout pas cacher. Et le maquillage, le fond de teint, ça a tendance vraiment à étouffer la peau. Alors personnellement, je mets pas de fond de teint. Moi, je mets juste de l'anti-cerne, c'est tout. Je D'accord. mets pas de fond de teint, je mets un petit peu de rose sur les joues et puis un petit rouge à lèvres sans plus quoi. Voilà. Je suis pas hyper maquillée comme les nanas qu'on peut voir sur les réseaux qui se mettent une blinde de fond de teint et puis que leur peau en soi est dégueulasse. Non, non, moi c'est pas ça. Moi c'est juste le minimum pour essayer d'éviter d'avoir une tête de cadavre, vois-tu? Bah, surtout, Voilà. comme tu es encore allaitante, ça c'est vraiment une dépense énergétique qui est quand même conséquente. Je pense que tu dois le ressentir au niveau de ton métabolisme. Encore Donc, me maquillage et prendre soin de ma peau, c'est voilà, c'est plus mon petit moment à moi, tu vois. C'est mon truc mon petit truc et voilà, j'aime bien. C'est pas un calvaire, tu vois, comme certaines femmes, ça peut être peut-être un calvaire. Mais non, moi j'aime bien. C'est voilà, c'est mon petit truc, voilà. D'accord, ok, bon, tu sais, hein, moi aussi j'aime prendre soin de moi. Hein. La preuve, vous voyez, j'ai 70 ans. Ça se voit Oui. peut-être Ça va bientôt le siècle, hein. T'as préparé le cercueil, j'espère. sera mon héritage T'as acquis. fait ton testament? pas encore, faut que j'y pense. Va venir, ça va venir. Alors, il y a Audrey qui me dit, ah, elle a une angine mal de gorge la prochaine fois. D'accord. Eh ben, voilà. Eh ben, ce que je vais faire, en fait, eh ben, tout simplement, je vais aller sur les commentaires et puis je vais l'afficher. Voilà. Donc ça, c'est Audrey, hein. Là, elle n'a pas dû donner l'autorisation à StreamYard de voir, de voir son nom. Bah, c'est pas grave. Voilà. Donc là, elle a pris. Donc là, c'était la crème raffermissante. La crème raffermissante dont Elodie va nous parler tout de suite, si toutefois tu as fini. Oui, moi j'ai fini. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Voilà. Bah, je vais carrément faire comme ça. Voilà. Donc, eh ben, on va passer à Elodie. Hein, Tu peux me descendre dans le sas hein, si tu veux, il n'y a pas de bah, problème, je vous écoute. c'est comme tu veux. Hop, et puis bah écoute, je te dis à tout bientôt. Merci d'être venu, merci d'être venu témoigner. Ça De fait toujours rien, c'est normal. voilà. Et puis voilà, bah merci beaucoup. Allez, peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure, salut, ciao ciao. Et voilà, merci donc Chabadou d'être venu témoigner donc pour le body butter, le dentifrice et la crème. Contour des yeux. Voilà. Alors, eh ben, Elodie, c'est à toi. Donc, toi, tu vas donc nous parler de plusieurs choses. Donc, tu as testé plusieurs produits. Tu as testé la body lotion. Oui. Que voici. Hop. Voilà. Soit que je l'utilise aussi. Allez, franchement, top. Le shampoing. Voilà. Hop. Là. Hop, le shampoing, l'après-shampoing. Alors ça a été une révélation pour toi. Oui. Et puis là, la combinaison de produits au collagène. Donc la mousse raffermissante dont Audrey nous parle dans son commentaire,
et que l'on voit ici en commentaire épinglé, et le liquide BioCell Life, ça c'est le collagène en boisson. Alors, eh ben Elodie, vas-y, par quoi tu veux commencer ? Eh ben, on va commencer par le collagène, tiens. C'est les derniers que tu as montré. Alors, la crème raffermissante, très bien. Ça m'a retendu la peau des bras. Ça me retend bien la peau du ventre, étant donné que j'ai fait plusieurs grosses prises et grosses pertes de poids. J'ai la peau assez détendue. Donc, elle commence déjà à bien se raffermir. C'est pas encore ça, mais ça vient. Associé au liquide BioCell, bon, le liquide BioCell, il n'a pas une odeur géniale, mais au goût, ça sent le fruit rouge. C'est hyper bon. Mm-hmm. Donc, c'est un bon plaisir à prendre tous les matins. Donc là, c'est pareil, je fais juste la petite aparté. Donc, comme vous le voyez, là, en fait, on a à la fois le collagène et en fait, bon, c'est en anglais, c'est hyaluronic acid. En fait, bah, c'est l'acide hyaluronique qu'on peut tout à fait ingérer et qui va jouer sur la peau, sur les ongles, sur les cheveux. Voilà, les ongles, les cheveux, j'ai des ongles beaucoup plus résistants, les cheveux plus résistants aussi, plus souples, plus agréables en tout cas. Ils sont beaucoup moins secs aussi grâce à l'après-shampoing. Donc, le kit salle de bain complet, le dentifrice, entre le shampoing et l'après-shampoing, j'ai les cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus doux, plus faciles à travailler aussi. Ils sont moins compliqués à coiffer le matin. Donc, toi, tu avais donc opté directement pour… Bah, tant pis, on va voir le prix, c'est pas grave. Mais bon, c'est une gamme ultra complète. Quoique, il manquait selon moi le body butter dedans, mais à la place, s'il y a la body lotion, c'est déjà vraiment top. Donc, Elodie a opté donc pour la collection salle de bain, donc avec le dentifrice, le bain de bouche, le shampoing, l'après-shampoing, le déodorant, la body lotion donc qui est là, voilà, et la crème lavante pour les mains et le gel douche également. Oui. Voilà, donc le gel douche aussi, il est bien. Le gel douche, il va très bien. On peut en mettre une toute petite quantité, c'est largement suffisant parce qu'il mousse bien, mm-hmm. Il s'étale très facilement. Pas besoin d'en mettre une tonne. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour la body lotion qui sent super bon et qui garde la peau vraiment bien hydratée et bien douce toute la journée. C'est mon petit rituel le matin et soir. Et évidemment, l'après-shampoing tous les jours aussi. Parce que j'avais quand même les cheveux très, très secs. Là, je commence à l'utiliser un peu moins parce que justement, ils sont beaucoup mieux. Ouais. Donc, la body lotion, là, voilà. Donc là, je vous l'ai montré en vrai, mais vous l'avez ici aussi. Mais elle est vraiment top. Alors là, en matière d'hydratation, on est vraiment bien. Elle est légère. Le parfum est vraiment juste subtil. Il va être moins fort que le body butter, mais il va vraiment être top. Et en fait… quand on voit la quantité, en fait, vous voyez la taille de la bouteille, ça a l'air un peu petit, mais en fait, elle est quand même de belle taille. En fait, ça va vous durer vraiment très, très longtemps. Ces avantages, ça s'utilise en très petite quantité. Vraiment, tous les produits modernes sont élaborés comme ça. C'est tellement efficace qu'il y a vraiment besoin de l'utiliser qu'en petite quantité. Et c'est ce qui fait que ça va vous durer quand même assez longtemps. Voilà. Donc, la body lotion. J'adopte. T'adoptes complètement. Matin et soir, vu que ce soit pour le visage, pour les mains, pour les jambes douces, ça marche sur absolument toutes les zones. Mm-hmm. On peut le mettre et partout. Ça a vraiment un effet très agréable qui est très, très durable. Ok. Alors, tu vas nous parler maintenant du shampoing, l'après-shampoing ? Si tu veux. Allez, le shampoing. Il est bien aussi parce que bon, moi, j'ai des cheveux quand même assez longs. Mais je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour réussir à faire toute la tête. Et associé à l'après-shampoing, j'ai des cheveux beaucoup moins secs, plus doux, plus souples. Que je fasse des boucles ou que je veuille les laisser lisses, ils ressemblent à quelque chose. Je ne me bats plus avec un tas de foin le matin. Et c'est dire qu'elle a une sacrée crinière. Elle a vraiment une masse capillaire assez importante. Les cheveux sont quand même vachement longs et tu n'as pas besoin d'en utiliser en grande quantité. Ah non, une petite noisette et je peux faire tous les cheveux.
Et donc, comme tous les produits modernes, en fait, ça, je le répète à chaque fois, c'est plus de 3000 références de produits toxiques, perturbateurs endocriniens, cancérigènes, en fait, tout ce qu'il y a de plus mauvais que vous trouvez dans la plupart des, vraiment l'immense majorité des produits que vous trouvez dans le commerce moderne a éjecté, en fait, tout ça. Ils n'utilisent pas tous ces produits qui sont terribles, à la fois pour la peau, pour les cheveux, puis même pour vraiment le reste du métabolisme, parce qu'à un moment donné, ça peut pénétrer aussi. Et donc, ils sont vraiment d'une qualité incomparable en matière de santé. Voilà. Donc, l'après-shampoing, Adopté. adopté, Le direct. shampoing aussi. Ah, direct. Alors, l'après-shampoing, dès la première utilisation, tu as vu la différence, toi? Oui, parce que ben, j'ai pu l'essayer avant de passer ma commande. Ça a Ouais. été l'avantage. C'est ce qui Ouais. m'a poussé à prendre le kit complet d'ailleurs. Et je l'ai depuis combien de temps? À peu près un bon Bah, mois. un mois, Depuis un mois, voilà, j'ai commencé depuis un mois. Et honnêtement, en un mois, la différence, elle est déjà flagrante. hein. Ouais. Alors, bah, évidemment, comme en fait, il y a l'utilisation donc de l'après-shampoing, et en marge de ça, il y a aussi l'utilisation donc du liquide Biocell Life qui contient du collagène et de l'acide hyaluronique. Donc là, le collagène, ça va être bon, en fait, comme je vous ai dit, pour tout, et notamment pour les cheveux. Donc l'utilisation des deux combinés, donc l'après-shampoing, donc qui va en fait avec ce qu'on appelle des agents conditionneurs enrober le cheveu et donc le protéger, plus l'apport important en collagène, ça va vraiment solidifier vos cheveux. Ils vont être plus souples, plus solides, plus résistants, plus beaux, plus tout en fait. Ça Plus va. facile à travailler. Et ben voilà, ça c'est des trucs de filles. Ben, quoique, moi je commence à avoir les cheveux longs, hein, ça commence à venir. Hein. Mais d'ailleurs, moi j'ai vu la différence. J'ai vu la différence parce que moi je prends le collagène sport. Tu veux bien aller le chercher, le collagène sport? De Biocell Sport. Parce que, donc, elle n'avait pas besoin, parce que le liquide Biocell Sport, il va être vraiment plus chargé en collagène et plus adapté, bah, justement, pour les sportifs, puisqu'ils vont avoir. Il est dans le frigo. Donc, ils vont avoir besoin d'un apport en collagène bien plus important. Donc, moi, c'est celui-ci que je prends. Donc, ça, c'est Elodie. Le life, et moi c'est celui-ci, donc le sport. Et donc il est plus fort en goût, celui-là il tabasse. Et j'ai vu une différence. Et donc, là, je suis un peu, vous voyez, je suis un peu dégarni. Et bien avant, j'étais plus dégarni que ça, et je me suis rendu compte que en fait j'avais les cheveux qui commençaient à repousser là, juste là. Donc là pour l'instant, là je suis sur le sport, je vais passer au life le mois prochain, et on va voir les effets que ça a. Sur ma chevelure. Je les trouve quand même mieux qu'avant, plus souples quand même, parce que bon, moi j'ai un cheveu de merde hein, à la base, c'est juste l'horreur. Voilà. Parce que bon, j'ai été militaire pendant 5 ans, j'ai continué en fait à me les tondre encore des années après, et puis là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 ans en fait que j'ai commencé à me les laisser pousser. Et donc en fait, bon, ils ont ramassé grave, mais je vois quand même une amélioration. Et en fait, avec le, je pense que ça doit être ça, parce que si j'ai fait la cure détox avec le Phytogreen, mais quand même, je pense que ça doit être quand même dû à ça que j'ai commencé à regarder, à avoir des cheveux qui repoussent là, à ce niveau-là. Donc, je rajeunis. Et le temps passe, mais moi, je rajeunis. Donc, voilà, bah, on a fait le tour pour toi. Juste, ouais, peut-être sur la BFF, donc BFF Body Firming Foam, c'est pareil. Là, ça fait, t'en mets tous les jours? Oui. Ouais, tous les jours. Là, ça fait un mois qu'elle l'a. Il est encore là. Moi, je le vois là par transparence, mais il est au-dessus de la moitié. T'as vu? Il est là. Donc là, c'est liquide, hein. À l'intérieur, c'est Parce que c'est liquide. pareil, c'est une mousse qui s'étale vraiment bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il conseille entre 2 et 5 pressions. Moi, j'en mets 3 deux fois par jour et c'est largement suffisant. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un super investissement pour les gens qui ont envie de retendre leur peau, notamment après une perte de poids, comme c'est le cas pour toi, Elodie. Quand il y a une perte de poids qui est fulgurante, comme ça arrive, hein, les gens qui se disent, bon, maintenant c'est fini, j'ai envie de perdre du poids, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau abdominal? Hop, qu'est-ce qui va se passer au niveau abdominal? C'est comme ça, tu sais, voilà. Eh bien, la peau, en fait, elle va pas suivre. Quand on va affiner sa silhouette, si
si ça s'étale vraiment dans le temps, cette perte de poids, cet affinement de la silhouette, la peau, en fait, elle va suivre et il n'y aura pas cet effet de pendaison. Et quand on perd, donc quand on affine sa silhouette vraiment de manière très rapide, la peau ne suit pas et ça fait ce qu'on appelle le tablier. Donc, il peut être plus ou moins important en fonction de la morphologie de départ avant la perte de poids et aussi la vitesse à laquelle on va perdre du poids. Donc là, effectivement, toi, c'était le cas. Tu avais un petit tablier donc qui ne méritait pas non plus une abdominoplastie comme certaines femmes ont recours. Et en fait, juste l'utilisation de cette mousse raffermissante a suffi en fait à retendre la peau, vraiment à aider la peau à suivre donc l'affinement de la silhouette et le fait que la peau bande. Mais tu l'as pas utilisé tout de suite. Elle n'a pas commencé à utiliser donc la mousse en même temps qu'elle a commencé Ah sa perte de poids. Donc évidemment, le tablier était là, mais n'empêche que là, avec la mousse raffermissante, je vous la remontre, elle est vraiment sensationnelle. Donc, collagène et acide hyaluronique, eh bien, ça a aidé à remonter la peau tranquillement. Et là, vous voyez, ça fait un mois et il en reste encore plus de la moitié avec une utilisation quotidienne, deux, trois fois par jour, tu as deux dit? fois. 2 fois par jour. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous durer un bon bout de temps. Plus le liquide Biocell Live que je vous remonte. Allez, on n'est pas avare. Donc, plus ça. Eh bien, là, c'est vraiment un combo gagnant pour la peau. Et la mousse raffermissante, elle n'est pas faite que pour le ventre. Moi, j'ai commencé les premiers tests, enfin, j'ai vu la différence tout de suite. C'était surtout au niveau des bras, la petite peau Oui. en dessous des bras qui pendouille. Et ben, il n'y en a Eh plus. bien, il n'y en a plus. Ça ne Voilà. pend plus. C'est fini. Voilà. T'en as terminé? Oui. OK. Alors, est-ce que si toutefois vous avez des questions, eh bien, allez-y, posez-les. Et si vous n'en avez pas, eh bien tout simplement, on va passer à la fin du live, juste en vous rappelant eh bien, que si toutefois eh bien, vous voulez avoir accès à ces fabuleux produits, eh bien, il va falloir que vous ouvriez votre espace client. Alors, je vais retourner là, comme ça, je vais faire juste une petite démonstration en direct, c'est toujours un petit peu long chargé, surtout quand j'ai StreamYard, ça me prend un débit, c'est assez incroyable. Voilà. Donc, pour avoir accès donc à tous ces produits et même d'autres, hein, en fonction de ce dont vous avez besoin, eh bien, vous venez vers moi et moi je vous orienterai sur les produits qui vont vous convenir. Donc vous voyez, donc vous allez donc sur le site demoder.eu, il suffit de cliquer là donc sur créer un compte. Voilà, ça met un petit peu de temps à charger, c'est pas grave. Donc voilà, et vous voyez, c'est juste un formulaire. Bon là, il avait mémorisé une de mes adresses mail. Vous voyez, nom, prénom, votre adresse mail, vous créez votre mot de passe. Votre emplacement, bon ça c'est le pays, donc là hop pour vous ça sera la France. Votre date de naissance, oui j'ai 18 ans et plus. Et là, surtout hyper important, ici vous allez rentrer un code promo. Le code promo, soit c'est le mien, soit celui d'un proche qui est déjà client Moder, ce qui va vous donner, et eh bien comme vous le voyez à l'écran ici, ça va vous donner 10 euros. Donc là, il met aussi 10 livres sterling, pourquoi pas. Donc 10 euros de réduction sur votre première commande et la personne qui vous a donné son code promo lorsque vous passez votre première commande reçoit également 10 euros. Voilà, donc c'est tout simple de créer son espace client. Voilà. Eh bien, on va terminer là. On va vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée. Parce que nous, après, c'est barbecue. Ah ouais, il y a Fabrice et Annette qui vont arriver dans pas longtemps. Je leur ai dit, tiens, si j'aurais dit 18h30, je pensais que ça allait durer un poil plus longtemps. Ta mère, Ben, tant il pis. m'avait déjà fait part d'un témoignage, c'est surtout sur sa qualité conseillée, parce qu'elle a eu des soucis Ouais. pour se connecter à son espace client. Son colis a été posé en point relais, mais vu qu'elle n'arrivait pas à accéder à son espace client, elle ne savait pas où. Et en 2-3 clics, il a réglé le problème et là-dessus, elle était vraiment, vraiment très contente Voilà. d'avoir quelqu'un qu'elle puisse joindre et qui puisse accéder rapidement à la solution.
pour éviter que ça prenne trop de temps. Bah, ça parce fait qu'elle partie. Aussi, elle attendait son dentifrice avec impatience. Voilà. Donc, ça fait partie de mon boulot, hein, d'assurer un service après-vente. Rom, miam, miam, qu'est-ce que c'est dit, quoi. Donc, ça fait partie de mon boulot. Hein. Évidemment, je vous présente les produits, je vous écoute en fonction de vos différentes pathologies, de vos différents problèmes, ce dont vous avez besoin. Mais derrière, que ça soit sur le suivi de l'utilisation des produits ou alors sur le service après-vente, donc plutôt là sur le côté plus technique, hein, effectivement, elle n'arrivait pas à se connecter à son espace client. Alors souvent, en fait, quand on fait un copier-coller avec un mot de passe, on va rajouter un espace à la fin. Et ouais, mais s'il y a un espace à la fin ou qu'on a rajouté un point qu'on n'a pas vu, ben forcément, le mot de passe, eh ben, c'est pas le bon. Donc, on avait tout réglé, les problèmes, elle a été vraiment enchantée. Non, c'était pas la première fois qu'on se voyait, mais en tout cas, la première fois qu'elle m'a vu avec les produits, c'était à Chalin-sur-l'Étang, donc le village d'à côté. Donc, c'était le dimanche 4 juin où j'avais été exposé à la fête Ecobio. Et elle a dit, oulala, qu'est-ce qu'elle a dit ? Quel professionnel. Ah, quel professionnel. Elle y présente bien. Voilà. Ben, écoutez, Elodie, tu vas venir dire au revoir quand même. Tiens, je vais boire ça. J'ai moins bu ce coup-ci. Parce que comme j'étais pas le seul à parler, ça m'arrange. Eh bien, au revoir à tous, un bon week-end et à dans quelques mois pour une nouvelle session témoignage quand j'aurai le plaisir d'essayer d'élargir ma gamme. Voilà, et puis il y en aura une. Alors, ça ne sera pas la semaine prochaine, témoignage, on verra quand. Non, pas la semaine prochaine. Oui, et je vais vous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, pour le témoignage de ta mère, on verra ultérieurement. Audrey, qui est souffrante, elle a chopé quoi ? Elle nous a dit quoi ? Je ne sais plus, une angine, donc effectivement, elle n'est pas bien. Mais elle a quand même donc fait son témoignage. Donc, allez, je vous le remets donc sur le BFF, donc, que voici. Elle me l'a commandé et elle en est tout à fait satisfaite. Donc, Audrey, eh bien, j'espère que tu viendras sur une prochaine session de témoignage avec ta mère également. Et puis, si tu testes d'autres trucs, Et voilà, donc, pour la prochaine session, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, on verra. En tout cas, pas la semaine prochaine. Pourquoi ? Alors, la semaine prochaine, il y aura une émission très spéciale. Parce que ça, je vous l'ai dit, on verra le thème qu'on va employer. Ça sera peut-être plus axé sur le sport, les efforts physiques. On verra comment je vais organiser le truc. Par contre, ça sera beaucoup plus rudimentaire. Je le ferai pas avec StreamYard. Je le ferai directement, en fait, depuis le téléphone. Pourquoi le téléphone n'est pas l'ordi ? Tout simplement parce qu'on va être en rando. La semaine prochaine, donc samedi prochain, je vais la chercher au boulot à midi et hop, on file au grand ballon en Alsace. Et puis, vous aurez le droit à divers petits lives dans la montagne. Comme ça, on marche. Salut, c'est moi, c'est puis Elodie, machin. Donc, on va aller camper dans la montagne avec Zouzou. Et il était hyper sage, Zouzou. Et il dort. Il est bien, il dort. Il est tranquille. Donc, la semaine prochaine, ne manquez pas, il va y en avoir plusieurs des directs. On fera le direct dans la voiture, comme la dernière fois, dans la voiture, arriver sur place, machin, tout ça. Donc, j'emporterai la batterie externe. T'en as une batterie externe, toi ? Non, je vais peut-être en investir dans une deuxième. Elle dure longtemps, la batterie externe. Bon, la dernière fois, c'était l'hiver et le froid, ça tape un peu dans les batteries. Mais je pense que je vais investir dans une deuxième. Je vais voir où est-ce que je peux trouver ça. Chez Boulanger, je pense. Hein. voilà. Bon, non, je ne travaille pas pour Boulanger. Donc, je préfère la boulangerie, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, en plus, avec mon gilet de combat, j'ai des emplacements. Tiens, j'ai encore les cartes. Tiens, voilà. On va dire, dis donc, t'es tout carré. donc, voilà. Donc, avec mon gilet de combat, on peut mettre des trucs absolument partout. Et la semaine prochaine, samedi, il y aura une succession de petits lives avec les rendez-vous du bien-être. Et
On suit à midi, machin. Ouais, vers 17 ou 18 h, je verrai, hein, en fonction, parce que. Et puis on fera le barbecue le soir, d'abord. Hein, tranquille, on emmènera les chipots et les merguez, hein, comme un pied de grève de la CGT. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était donc la 10e édition de votre émission préférée du samedi, Les Rendez-vous du Bien-être sur Raphaël, conseiller Live Clean. Là, donc là, c'était une session de témoignage. Il y en aura une autre, mais pas la semaine prochaine, puisque je viens de vous le dire. La semaine prochaine, je serai, et d'ailleurs, nous serons, hein, c'est pas je serai, c'est nous serons en live depuis la nature, depuis la montagne, puisqu'on va se faire notre rando au Grand Ballon d'Alsace. Et puis, on va dormir dehors sous la tente. On va être bien. Voilà, donc certainement, à cette heure-là, il fera beau, il fera bon, il fera jour. Et on se mettra là sur la table, ça va être topissime. Voilà. Bah écoutez, si vous avez pas une batterie solaire, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. On trouve des petits panneaux solaires pour pouvoir recharger. Merci Chabadou. Merci. Je retiens. Donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée. Bon appétit à ceux qui vont bientôt manger. Bon apéro, évidemment, on va commencer par l'apéro, hein, avec modération. Pour lui, il n'est jamais venu. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas forcément envie de l'inviter. Hein. Monsieur Modération, ben, je sais pas où il est. Cassez pas les arbres. Ben, oui, ne t'inquiète pas. Hein. On va juste prendre des petits bouts de bois par terre pour faire le barbecue. Voilà. Donc, eh bien, nous renouvelons nos souhaits de bonne fin de journée, bon apéro, bon appétit. Et je vous dis à la prochaine. Il y aura des petites annonces, il y aura des publications sur le groupe. N'hésitez pas, likez, partagez le groupe. On est déjà 288. Il y a eu des nouveaux arrivants cette semaine. C'était franchement top. Ça, j'ai vu qui en fait avec les groupes qu'on a en commun. Je sais que c'est Mélodie. Donc Mélodie, merci et merci à tous pour votre présence. Je renouvelle encore. Nous renouvelons. Bonne soirée. Bon appétit et puis à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao!